rencontre. Ce mot est le point de départ. Il est au centre de ce projet car c'est lui qui crée le lien. C'est lui qui nous a conduits d'une personne à une autre durant cette aventure. À l'heure où tout est globalisé, produit en masse et à la chaîne, où les tensions et les différences semblent se cristalliser, il est essentiel d'aller à la rencontre des personnes qui créent du bien, du beau, du positif, avec leurs mains et à la sueur de leur front. Il nous a paru important de partager et valoriser les talents et les initiatives créatives qui se développent un peu partout en France. On en parle trop peu et ce sont pourtant des exemples à suivre. Nous avons donc décidé de prendre la route pour aller à la rencontre d'artisans, d'artistes ou de créateurs aux quatre coins de la France. Ils nous ont tour à tour raconté leur parcours, leur démarche et montré leur savoir-faire. Installés dans de grandes villes ou de petits villages, ils ont tous en commun la passion de leur métier et l'envie de faire évoluer les choses à leur échelle. Tous nous ont parlé de passion et de savoir-faire, évidemment, mais aussi de reconversion, d'entrepreneuriat, de nouveaux modes de consommation, de contraintes de production, de remise en valeur des métiers manuels et traditionnels, et de valorisation des richesses locales. Des sujets qui questionnent nos habitudes de vie et de consommation actuelles. Pendant ce voyage, nous avons donc rendu visite à Florence, Antoine, Gaël, Bénédicte, Fabien, Mathieu et Caroline, Julie, Yann et Lucas, Violaine et Marion, Adrien, Valérie, Olivia et Paul, Marie et Yannick. Ce film porte un regard sur la création artisanale et artistique française à travers 13 portraits croisés. Je m'appelle Florence et je fabrique des ustensiles de cuisine en bois. Je ne l'ai pas vraiment choisi. Et je travaillais dans le marketing avant. Et puis en arrivant dans la baie de Somme, en fait, ça m'a un peu sauté au visage. Et en arrivant ici, dans le coin, près de la forêt, en achetant la maison, c'est devenu une évidence de travailler le bois, en fait. Et j'avais déjà des activités artistiques. Je faisais de la sérigraphie à Lille, j'ai fait beaucoup de photos. Mais il me manquait quelque chose que j'avais besoin de créer, en fait. Mais j'ai pas cherché, c'est venu tout seul. Et j'ai commencé à ramasser des morceaux de bois en forêt. J'ai acheté une gouge, des ciseaux à bois. Et puis petit à petit, j'ai fait que ça. Et les gens autour de moi m'ont dit, mais c'est joli, continue. C'est une bonne idée. Ouais. Et puis en fait, c'est surtout grâce aux gens qui m'ont soutenue que je me suis lancée. Du coup, je collectionne toutes les cartes et tous les guides de voyage indépendants. Je m'appelle Julie Flamingo. Je suis éditrice de guides de voyage et auteure sur mes guides de voyage. Ça faisait 10 ans que j'étais dans la même société. J'étais rentrée comme plutôt chargée de recrutement. Et puis, en 10 ans dans une boîte, forcément, tu évolues. Et puis, j'ai pris la responsabilité d'une filiale avec toutes les responsabilités RH, la création de la filiale et tout ça. Ça se passait super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé mon métier. Sauf que le groupe, le groupe commençait à changer déjà avant que je quitte mon job.
nouveau directeur, nouvelle pression financière, enfin voilà, tout ce qu'on entend tout le temps, voilà. Et donc c'est là où je me suis dit, bah, je vais créer ma boîte et m'alimenter, voilà, tout ce qui me frustre au quotidien, je vais aller le chercher pour moi en fait. Et donc du coup j'ai créé Julie Flamingo, j'ai créé Land City Guide en étant salariée, ça a super bien fonctionné. Et quand je suis revenue de vacances, donc à pile un an, en septembre, on m'a annoncé que ma boîte était revendue, elle est très gros. Et que ce qui se profilait au niveau des ressources humaines, ça n'allait pas être forcément ce que j'avais déjà vécu et que ce serait moins bien. Je dirais que le point de départ de tout ça, ça a été un voyage que je préparais. Je ne sais plus si c'était Lisbonne ou la Californie. En tout cas, je prépare toujours mes voyages. Pourquoi ? Parce que je ne prends jamais un kit comme ça, un Lonely Planet, un guide du routard. Juste ça et hop, je pars en voyage et puis je verrai sur place. Non, mes voyages sont toujours des moments qui sont extrêmement préparés, qui sont longtemps savourés. Je teste tout. C'est impossible pour moi, c'est inenvisageable pour moi de mettre une adresse que j'ai pas expérimentée. Pourquoi ? Parce que la qualité d'une adresse, c'est surtout son accueil et que ça se vit. Et tout ça, c'est des choses qui, moi, m'ont interpellée, m'ont parlé, m'ont fait vibrer, que j'ai trouvé beau, poétique, etc. Et que j'ai eu envie de mettre sur la carte. Je m'appelle Adrien et je crée des meubles et du mobilier sur mesure. Mais moi, j'avais fait une reconversion, en fait, justement, quand j'étais au chômage, là, pour... Pour faire ça, tu as des formations de 10 mois en menuiserie. Ça te donne un titre pro, c'est équivalent à un CAP, mais quand tu es adulte, tu fais que les matières qui concernent ton métier, quoi. Tu vas faire du dessin et de la fabrication. Et en 10 mois, tu as un diplôme, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est ce que j'avais fait, quoi. Et avant, tu faisais quoi ? Oui, t'étais avant, j'étais en restauration. Ah, ouais, ah, ouais. Avant, j'étais en hôtellerie. Au moment où j'ai dit j'arrête et je voulais déjà plus longtemps faire de la menuiserie, donc j'ai fait cette formation-là. Je m'appelle Marie, je suis illustratrice depuis maintenant quelques années. J'ai commencé à Paris en finissant mes études, j'ai fait un BTS communication visuelle. Et j'ai été ensuite graphiste et directrice artistique pendant quelques années dans des agences parisiennes. Mmh. Et voilà, illustration me manquait, le fait de pouvoir créer totalement librement et de manière autonome. Et du coup, j'y suis revenue petit à petit. Mais mon travail consiste à travailler avec des clients notamment, que ce soit de la presse avec laquelle je collabore régulièrement ou des... clients, des entreprises commerciales pour lesquelles je réponds à des briefs. Et puis j'ai la chance aussi d'être soutenue par des galeries à Paris et un peu dans le sud de la France et au Portugal. Donc ça me laisse un champ de création très libre et très agréable parce que du coup c'est forcément des projets personnels. Je m'appelle Yannick, je suis artisan minotier. J'ai travaillé 10 ans dans un magasin d'optique, je fais un BTS opticien minotier, mais c'est un BTS opticien minotier, ils ne nous apprennent pas à fabriquer des montures. Okay. Et déjà mon envie c'est de fabriquer une monture, d'apprendre à fabriquer. Mm-hmm. Sauf qu'il y a 12 ans je pense, il n'y avait aucun endroit en fait où on fabriquait, où on pouvait apprendre, enfin d'école qui apprenait à fabriquer des montures. Et c'est un jour, je crois c'est il y a 4-5 ans, je vois sur internet qu'il y a les meilleurs de France lunetiers, ce qui avait quand même des gens qui savaient travailler, qui proposaient des formations. Et là, je me suis dit, bon, on va économiser un petit peu, tout. Et une fois que c'était, enfin, que j'avais l'argent, j'ai commencé par une formation, après une deuxième, et après, je me suis arrêté à la deuxième, troisième formation. Deux étapes là, en fait, on a le modèle, en gros la face qui est découpée. Bonjour, moi c'est Antoine et je fabrique des disques vinyles. Quand on a ouvert en 2014, quand on a créé la boîte, il n'y avait aucune machine qui existait pour le disque vinyle. Parce que ça commençait juste à revenir. Il y avait une boîte aux États-Unis qui
fabrique un peu de matériel. Sauf que c'était hors de prix pour nous. Le moindre truc, ça coûtait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. On ne pouvait pas se permettre. Donc on a fabriqué pas mal de choses ici. Alors, le but, c'est de faire presque 1 million de disques par an. Okay. Mais c'est tout, quoi. On ne peut pas aller plus loin parce que... Bon, après, on est quand même dans une logique de société. Donc, bon, on verra, mais ce sera peut-être plutôt de développer des services à côté ou... moi je suis un passionné de musique, donc moi je préférais plutôt développer un label. Le truc c'est que si on veut augmenter, il faut doubler la taille de la chaudière, il faut trouver un truc plus grand, enfin c'est toujours plus grand. Ouais. Et les investissements dans l'industrie, ça coûte de centaines de milliers d'euros. En matériel, il y a peut-être 400 000 euros, quoi. Enfin c'est énorme, quoi. En fait, moi j'ai commencé à bosser dans la musique à Paris. Bon, j'ai commencé à aller sur la route un peu avec les groupes et puis j'ai fait un peu de management. Ensuite, je suis revenu à Rennes, j'ai monté une asso avec laquelle on organisait plein de concerts. Et puis j'ai eu l'idée du vinyle. Je me suis lancé dedans, tête baissée, sans trop réfléchir. Ouais. Ce qui était pas mal parce que sinon j'aurais pas fait. Maintenant, je vois tout ça. Soin de soi fabrique des cosmétiques artisanaux alternatifs. Alors j'ai une formation mais surtout un parcours. Ouais. Voilà. Parce que effectivement au départ j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie physique qui me donne une culture, mais j'ai travaillé dans l'industrie mais pas dans les cosmétiques. Et ensuite il y a 10 ans de ça j'ai opéré une conversion professionnelle qui m'a amenée en gros dans le domaine des toutes les médecines douces alternatives et je me suis intéressée très fort à l'aromathérapie, les huiles essentielles. J'ai ouvert un cabinet de thérapie et en même temps une petite boutique spécialisée. Et là en fait j'ai acquis des connaissances sur les matières que j'utilise aujourd'hui. Et au bout de quelques années je me suis rendu compte qu'on pouvait faire avec ces matières, non seulement on pouvait se soigner mais qu'on pouvait aussi faire des cosmétiques très sympas. Et que c'était pertinent étant donné qu'il y avait un vrai problème dans la qualité des cosmétiques aujourd'hui, un peu comme dans la nourriture. Donc sinon voilà, la création d'une recette pour moi c'est aussi une bonne part d'intuition et d'envie de goût, faire un truc sympa, qui sent bon, qui est agréable à mettre, enfin voilà quoi. Je m'appelle Gaëlle de Télec et je suis shaper bois, je fabrique des planches de surf en bois. Je suis sculpteur ornementaliste en fait. Donc c'est là que j'ai appris, j'ai passé 5 ans à faire des fleurettes et des feuilles d'acanthe en sculpture sur bois. Bon, c'est malheureusement des métiers qui payent pas bien. Ouais. Ou alors il faut rester à Paris, rester dans les grandes villes. C'était quelque chose que je pouvais plus faire. Après j'ai monté un atelier, enfin en même temps parce que comme c'est des sessions, j'étais en Normandie. Avec un ami, on a monté un atelier et j'avais fait ma première planche là-bas. J'en ai fait une et j'ai fait. C'est trop bien, c'est trop génial. Moi, je prends le bois comme il vient. Ouais, c'est ça. Tu... J'enlève pas les morceaux qui. Voilà, les nœuds, les machins. Il vient comme ça, il est comme ça. C'est ce qui fait le truc. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai des. Déjà un gars il est venu, il a fait « Ah tu me mets des nœuds, hein, moi je veux des nœuds partout hein. !» Je vais t'inquiète pas, il y en a toujours. Non, c'est le massif quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Tu vois que t'es sur une planche en massif. Ouais. Je m'appelle Bénédicte, je suis graveuse ornementaliste et ciseleuse. La différence entre la gravure et la ciselure, c'est donc la ciselure, on forme le métal, donc avec un outil en acier et un marteau. D'accord. Et la gravure, on fait du copeau, en très simple. Donc ça me permet de faire de la décoration de bijoux, ça va aussi des plaques ornementales, en fait, donc des gravures qui vont être imprimées après. J'ai fait l'école Boulle, ouais. J'ai fait 5 ans de ciselure. Mmh. Et ensuite, j'ai fait 2 ans d'alternance d'orfèvrerie à l'école de la rue du Louvre, la BJO. Donc là, j'ai appris la gravure. D'accord. Voilà.
Bonjour, c'est l'atelier Bulk. Ici, on utilise le procédé de typographie pour faire de la dorure, c'est-à-dire qu'on a des caractères en relief et à l'envers pour déposer ensuite sur le papier à l'endroit. Ça marche pareil pour faire du gaufrage, où on va dire on met du relief au papier, ou du foulage où on écrase le papier et ça permet de laisser une empreinte. Moi, mon but, c'est de gagner du temps un maximum sur un peu sur chaque boulot et d'organiser la production pour que ce soit le plus efficace possible. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que chaque boulot va me donner une réflexion différente et un moyen pour arriver à mes fins un peu différent à chaque fois. Puis à chaque fois, ça marche. C'est ça qui est magique. Ça paraît facile. C'est facile. Mais faut être patient et savoir faire les choses par étapes. On croit souvent que les plumes sont fragiles, sauf qu'on oublie que ça protège les oiseaux en fait. Je m'appelle Valérie Tanfin et je suis plumassière. J'ai une formation de couturière à la base, dans le monde du spectacle. Voilà, donc j'ai travaillé dans pas mal de cabarets. Ouais. Et du coup, j'ai découvert la plume, vraiment dans l'univers du cabaret, donc dans tout ce qu'il y a de plus gigantesque et exubérant possible. Du coup, voilà, j'ai fini ma petite formation de couture à Toulouse et je suis partie à Paris pour faire la formation de plumassière. D'accord. Et après, je suis revenue, oui, dans la région toulousaine, je me suis installée à mon compte. Donc je continue à travailler pour la haute couture, je continue à travailler pour le spectacle et... Mais voilà, puis du coup, ça me permet d'avoir aussi une partie vraiment de création pour moi, où je fais plus de la décoration, en fait. Je fais des tableaux, des choses comme ça, okay. des installations. Bienvenue chez Fluide. On est un souffleur de verre. Et on est une coopérative. On partage l'atelier à plusieurs. Qu'un statut, c'est un vrai mode de fonctionnement de l'entreprise. En autogestion, les décisions sont collégiales, elles se prennent ensemble. De cette manière, on est tous indépendants, au sein des mêmes structures, on partage un outil. La décharge, quand même, c'est important dans un atelier. Des fonds, ça arrive jamais. C'est l'artisanal plus cher, en fait, de tous les artisanats. Gros investissements matériels et une grosse charge de fonctionnement d'énergie. On a 30 000 euros d'énergie par an, 20 000 euros de matières premières et t'as aucune autre structure artisanale qui a ce type de charge. Nous sommes laine paysanne et nous valorisons la laine de nos élevages. En fait, normalement, le jour de la transhumance des sangs est prévu depuis longtemps. Et 2-3 semaines avant, le berger ou la bergère commence à aller chercher un peu les bêtes qui sont contenues sur des quartiers. Donc normalement, elles savent où elles sont. Donc commence un peu à couper tout le monde et à garder un peu plus serré. De façon à ce que le jour de la descente, il y ait tout le monde. Et puis, voilà. Pas les animaux très grégaires, les parasconaises. Alors les mérinos, ça va toujours rester ensemble. Parasconaise, on parle d'escabotte en fait. Elle s'éclate en plein de petits lots. Et après, le jeu de la ramasse, c'est d'arriver à récupérer tous ces petits lots-là. Et bon, en général, tu sais où ils sont, mais quand t'as un coup de neige, bah après, tous ces petits lots-là, ils se mettent à descendre. Et ils vont se planquer. Et là, pour les récupérer, c'est misère. C'est ce qui s'est passé. Parce que là, il y a 3 jours, c'était tout blanc. Il en manque beaucoup au final. Il en manque 230, ouais. Ah, quand même. Quand j'y suis allé, j'ai...
fait, c'est très très rudimentaire le principe du tissage. J'apprécie sur des métiers de ceinture, qui sont les métiers précolombiens que j'ai rencontrés en Amérique centrale. Donc la démarche, en fait, en commençant à travailler le tissage et en montant un petit atelier, c'était toujours de travailler avec les laines locales. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du tri de laine, en fait. J'ai commencé à aller chez un éleveur, puis un deuxième. Commencé à rencontrer des gens un peu dans le réseau et puis à faire transformer la filature agneau. On a une filature à 10 minutes d'ici. J'ai rencontré l'ancien filateur, j'ai vu qu'on pouvait faire transformer et ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Et donc parallèlement, j'ai fait une première formation en technique des fibres et du tissage. Donc j'ai passé 6 mois dans un atelier pour vraiment approfondir ce que j'avais appris en voyage et approfondir les techniques sur ce type de métier-là surtout. Donc avoir des petites bases pour lancer une production. Donc les possibilités elles sont infinies puisque en fonction de mes combinaisons, des matières que je vais utiliser, des types de fils, des couleurs, etc. Je peux faire tout un tas de pièces et ça va vraiment limiter en fait. Donc voilà, l'activité globale laine paysanne c'est vraiment d'un côté ce volet formation. Donc là pour l'instant je travaille avec des ADR ou des chambres d'agriculture pour donner des formations aux éleveurs sur comment produire une ligne de qualité. D'un côté ce volet. Ce gros volet pour l'instant qui prend le plus de place sur tout ce qui est fabrication d'articles en laine à façon, avec un réseau d'artisans transformateurs. Et ensuite sur le côté artisanal qui devrait venir boucler la boucle de tout. D'accord. Ça, quoi, avec différentes échelles, différentes gammes de produits, etc. Derrière chaque histoire, il y a des femmes et des hommes passionnés, des heures de travail, d'énormes sacrifices et de belles réussites. Au-delà des techniques et des savoir-faire, nous avons voulu comprendre ce qui les avait conduits à ce choix de vie. Qu'il s'agisse d'une reconversion, d'une passion d'enfance ou d'une prise de conscience plus tardive, nous étions persuadés que derrière chaque projet, il y avait une histoire passionnante, un élément déclencheur, une anecdote. Et une fois de plus, le mot « rencontre » a résonné. La rencontre, c'est la forêt. Il n'y a pas de. Je sais pas. Après, heureusement que autour de moi, ici, dans mon village, j'ai beaucoup d'amis artisans de mon âge, heureusement qu'ils sont là pour m'aider, pour m'aider à monter une machine, pour m'expliquer des choses. C'est vrai que je ne suis pas allée trop vers eux, c'est eux qui sont venus vers moi. On a créé comme une. On s'entraide vraiment. Mais la rencontre, la première rencontre, c'était la forêt. Il y a des choses à changer en matière de consommation pour les gens. C'est pas évident de faire comprendre aux gens aujourd'hui pourquoi une pelle à tarte, ça demande un certain prix, parce que ça demande un certain temps de travail. Je mets 2 heures pour faire une pelle à tarte, donc je peux pas vendre ça. Bah oui. Voilà. Donc tout ça, c'est une façon aussi pour moi, et pour des tas de gens qui font comme moi, de changer un petit peu les choses. Ça, c'est être aussi, mais être pour profil. Les mains aussi, en fait, moi ça me touche, c'est-à-dire je trouve qu'on a vraiment abîmé ça en France en particulier. On a tout à fait dévalorisé le travail manuel. Les élèves qui s'orientent vers les métiers manuels sont en général en échec scolaire et ne vont là que par défaut. Et je trouve ça extrêmement dommage, quoi. Et voilà, le travail manuel, il y a pour moi quelque chose d'assez noble. Je ne me suis pas levée un jour en me disant « Tiens, ça y est, je vais me mettre à faire des cosmétiques. » Mais j'ai cheminé vraiment en conscience, donc déjà en quittant des entreprises multinationales, en réintégrant des choses plus locales, en me mettant à mon compte, parce qu'être indépendant, c'est vraiment toute une autre aventure que d'être salarié dans une multinationale. Et moi, j'avais à cœur de faire ma part et donc de faire quelque chose de très concret. Voilà. Au départ, c'est une rencontre humaine. Enfin bon, moi, j'étais sur mon projet, déjà, sur les cosmétiques, tout ça. Et j'ai rencontré Nelly,
qui elle était avec son spa et donc cette volonté d'aller vers quelque chose de plus naturel, de faire aussi peut-être un produit exprès. Donc il y a une rencontre de ce côté. Nelly, elle a rencontré de son côté Marion, puisqu'en fait c'est aussi une rencontre, toutes les deux on peut dire. Ouais. Et puis il y a eu comme un concours de circonstances, parce que mon projet arrivait à un moment où Nelly avait envie de switcher vers autre chose, et au moment où Marion terminait ses études et avait envie de s'investir dans un projet. Voilà. Moi, quand je pars en voyage, je suis très attachée aux objets que je ramène de mon voyage. C'est important pour moi de ramener des objets. Un truc qui est très important pour moi dans mon guide, c'est de faire la promotion du commerce indépendant et de toutes les initiatives un peu éco-responsables qu'on peut trouver dans une ville et qui me parlent, moi, en tant que citoyenne. Et c'est pareil, là, je me dis, eh ben, en fait, je crée toujours du lien social, c'est-à-dire que moi, les gens que j'ai identifiés, je les mets dans ma carte et les gens qui aiment me suivre achètent ma carte. Et le but, c'est de faire rencontrer les gens qui ont acheté ma carte aux gens que j'ai mis dans mon guide et de créer comme ça un espèce de lien social, un grand tissu dans une ville. Je veux que ce soit pas juste joli, mais que ce soit utile. Et que si quelqu'un a juste un guide, juste ça dans la main, il puisse faire son voyage à Nantes avec juste ça, sans avoir besoin d'acheter ou d'aller à l'office du tourisme. Mmh. Voilà, que ça puisse être utile et qu'il puisse se repérer avec ça. Quand j'ai conçu la carte, je me suis dit, il faut que le guide, il ait une seconde vie en fait. Et qu'une fois qu'on a terminé le voyage, il puisse se transformer en poster, en encadre. La jolie rencontre, c'est mon amoureux. Ouais. C'est l'homme de ma vie, c'est avec lui que j'ai fait tous mes voyages, que je continuerai à voyager. C'est mon partenaire dans cette aventure. Ouais, c'est lui ma jolie rencontre. Ouais. Voilà, tu vois, ça c'est tout ce que je ramène de mes voyages. Voilà. Ben déjà, j'ai eu la chance d'avoir une belle-sœur qui me parle des écoles d'art quand j'étais en filière générale et je m'ennuyais clairement. Et elle voyait bien, je faisais toujours des choses avec mes mains, j'avais même fait un petit peu de sculpture sur pierre. Et elle m'a orientée vers les écoles d'art, donc je suis allée visiter cette école. L'école Boulle, magnifique, tu vois tous les ateliers, les gens jeunes qui travaillent. Et je pense que la première personne qui m'a convaincue, ben, c'est mon prof d'atelier. En ciselure, quoi. Guy Debois, c'est un meilleur ouvrier de France et il est passionné par la ciselure, quoi. Il la retransmet, mais tellement bien, quoi. Il m'a clairement transmis sa passion, quoi. Donc, même s'il y a toujours des moments de doute, c'est clair que, ouais, c'est la première personne qui m'a vraiment convaincu, quoi. Tu mets des étoiles dans les yeux quand il te raconte. On adore aussi quand y a des gens qui sont intéressés par nos ateliers, puis des jeunes. Enfin, ouais. Parce que nos métiers, c'est des vieux métiers, donc il y a les anciens qui connaissent tout ça. Mais de voir que des jeunes aussi, ils apprécient le travail manuel, les choses artisanales. Enfin, c'est pour ça qu'on est hyper contents que vous vous intéressiez à nos ateliers aussi. Coloré. On fait un rajout de vert d'une autre couleur en haut.
Ça, il n'y a que les artisans qui arrivent à le faire. Les machines ne savent pas encore mélanger deux couleurs d'encre. Dans la douceur, en général, on vient poser un trait de peinture qui s'en va gentiment à la faisselle. Voilà, maintenant, il reste plus qu'à donner la forme définitive. Bah, le disque vinyle revient à bord, hein. il y a énormément de commandes partout dans le monde, mais nous on reste quand même une jeune entreprise quoi qu'il arrive, donc de toute manière c'est dur quoi. Et surtout qu'en face on a quasiment que des géants quoi. Je vais raconter les deux rencontres, mais nous on peut pas en parler. D'abord c'est le disquaire, c'est un disquaire à Rennes qui s'appelle Rockin' Bones, et c'est aussi celui qui gère le label Beast Records. Et je vais aller le voir régulièrement, mais pas forcément pour lui vendre des disques. Un an après, je vais aller le voir, je dis bah, c'est bon, je suis prêt à travailler avec toi, bah ok. Il a toute sa production de MPO, il ne s'est même pas posé de questions. J'avais apporté quelques disques de ce qu'on faisait, et puis il a tout passé chez nous, quoi. Il fait entre 20 et 30 disques par an, quoi, ce qui n'est pas du tout négligeable, quoi. Et derrière, quoi, il en a parlé à tous en réseau, enfin voilà, c'était vraiment une belle rencontre, parce que moi j'écoutais pas de disques avant. J'étais assez fan de live, de concerts, j'adore ça, mais j'étais très, très peu consommateur de musique enregistrée, quoi. Et à chaque fois j'allais chez lui, il me faisait découvrir des trucs et tout, puis ça m'a donné goût, et c'est aussi pour ça que je fais ça, quoi. Ça, c'est la première rencontre, et la deuxième rencontre, c'est quand on a ouvert ici, on a fabriqué la presse, et on a mis en place l'atelier, puis j'ai fait pas mal de relations de presse. Et du coup, il y a un mec qui a entendu parler de nous, et puis il a décidé de nous filer un coup de main, quoi. Il n'a pas demandé d'argent, il n'a pas demandé de part dans la boîte, voilà, c'est devenu un ami, et c'est lui qui nous a appris le métier. S'il n'avait pas été là, jamais on en serait là, quoi. Là, je suis en train de faire l'oreille. C'est une vidéo de surf parmi tant d'autres. Et ça a commencé avec j'ai vu les gars surfer des alayas. L'alaya, c'est la vieille planche hawaïenne traditionnelle. C'est juste une galette, quoi. D'accord. Et donc, j'ai commencé à essayer d'en faire une. C'est le premier truc, en général, qu'on fabrique comme ça. C'est rigolo. C'est atroce à surfer. C'est vraiment, faut être pile au bon moment, faut avoir les bonnes vagues. Et puis après, de fil en aiguille, en fouillant, et ben j'ai trouvé ce genre de technique. Et puis après, ben, j'ai essayé, et puis là j'ai commencé à développer un peu plus, quoi. D'accord. Moi, je voulais pas résiner mes planches. C'est-à-dire qu'après, je les résine pas. Moi, les seuls produits chimiques que je vais utiliser, la colle, c'est l'époxy pour pouvoir recoller mes morceaux de bois. Je voulais faire une planche la plus propre possible. Et c'est la patronne de son mari et son père qui en La rencontre au sein de l'atelier, elle s'est faite avec Florent, en fait, avec mon associé. C'est vraiment la base même. Et on n'était pas parti pour bien s'entendre au début, parce qu'on est vraiment deux caractères forts, donc il n'y a pas forcément une osmose qui s'était faite de suite. Et puis après, maintenant, avec le temps, tu t'aperçois que ça fonctionne assez bien. Et cet atelier, on l'a monté à base de tourner un café. J'ai dit, vas-y, c'est bon, on achète des machines. Et le mois d'après, j'avais acheté des machines, il n'y avait pas de statut, il n'y avait rien. Et ça s'est fait comme ça en 3 ou 4 mois. Boum, c'était lancé, quoi. Plus tu vas monter dans les années en grandissant, et plus tu vas prendre un savoir-faire qui lui aussi va être croissant.
suis passionné à la base, mais je vous parle vraiment parce que c'est important d'avoir ce point-là, parce que tu arrives ici, tu es comme dans un appart, tu t'es dit, ouais, c'est une jolie danseuse, mais effectivement, la danseuse, elle est jolie, mais après, bah, il faut les mecs qui tiennent la scène, il faut les éclairages, il faut les maquillages, enfin, tu vois, c'est assez complexe derrière. Et après, il n'y a rien de plus plaisant que d'arriver et proposer des objets sur lesquels tu es fier, tu vois. En fait, si tu veux, quand le produit est bien fait, c'est le produit qui parle pour toi. Bien sûr. Donc une fois que tu as mis ça, et ça, ça a permis en fait de se rendre un peu plus concurrentiel, tu vois, par rapport aux autres, et ensuite d'asseoir une stature un peu plus productive et plus intéressante. Pour monter la boîte, bon, déjà en fait à la base je bossais avec un pote on se connaît depuis qu'on a 12 ans et on fait le même métier et tout, et en fait on a lancé la boîte en fait, parce qu'on a trouvé ces machines pour une bouchée de pain. On a rencontré des gens qui vendaient les machines et leur perquet des CD, parce que sinon il faut au moins 20 ou 30 000 euros à mettre sur la table rien qu'en équipement pour faire ta machine, enfin ton atelier. Et donc là on a pu démarrer grâce à ça parce qu'on n'a pas eu d'emprunt à faire, donc on a démarré avec rien. Donc ça c'est une rencontre qui a fait qu'on a commencé. Pour nous c'est un peu ça, la bataille, c'est faire comprendre aux gens, ouais vous êtes cher, bah ouais, mais... moi ça me coûte tant, j'ai tant de jours, je peux pas facturer 20 jours de travail par mois parce qu'en fait j'ai 10 jours où je fais que de l'administratif, des devis, des factures, des bonjours, des... Ouais, ah ouais, tu fais, t'es pas 20 jours en train de produire à l'atelier, alors que quand tu fais tes devis, bah, tu devises sur tes jours de travail effectifs, quoi. Là, au mois d'août, je me suis fait tomber, bah, justement, en dormant sur le pouce, là, j'ai perdu l'ongle. Je me suis dit, heureusement, j'ai eu que ça, quoi. Je me retrouve tout seul, bah, vu que tu te payes pas, t'as rien, quoi, t'as aucun parachute. Tu vois, des fois, tu te dis, oh, c'est peut-être un peu con, là. Après, tu te dis, il faut faire les choses bien, il faut continuer à triper. Tac. On va rouler dans le sens inverse. Donc, elle a été roulée, c'est-à-dire toujours de l'arrière vers l'avant. Là, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'il y a eu deux rencontres déterminantes. Il y a eu celle de Marie-Thérèse Chopin de l'atelier, dont je vous ai parlé pas mal, parce qu'elle a été. Disons qu'elle a été. Cette rencontre-là était déterminante pour des choix. Dans les pratiques et dans la façon de voir les choses par rapport à la valorisation de la laine, ça a été vraiment important. Elle a ouvert un champ des possibles, quoi. Mmh. Vraiment. Et ensuite pour le projet Laine Paysanne plus spécifiquement, ça a été la rencontre avec Paul qui a été vraiment déterminante, puisque c'est nos deux énergies qui ont donné naissance à ce projet, quoi. On va dire que l'idée, le concept, ça venait de moi, mais pour le mettre en route, c'était nous, quoi. Mmh. Ça a pu naître tel que c'est aujourd'hui parce qu'on était deux et qu'on a apporté deux choses différentes et très complémentaires. D'accord. Voilà. C'est comme ça. Moi, je pense que j'ai toujours aimé depuis tout petit, en gros, la bricole, côté manuel, ça m'a toujours passionné. Sauf que quand j'ai commencé en gros mes études d'opticien, j'avais un peu oublié en fait ce côté-là. Et après ça a été des rencontres, enfin des amis à Paris en fait qui étaient dans le milieu artistique, qui m'ont redonné, enfin qui m'ont rappelé en fait que ben, j'aimais cette partie-là. Enfin, je pense que vraiment Paris a été un révélateur pour moi, où les rencontres ont fait que ça m'a poussé en fait, ça m'a motivé. Ouais. C'était assez difficile de partir d'une sorte de... d'avoir un métier, de gagner son salaire, un métier alimentaire, hein, qui était réellement un confort. Et de se dire d'un coup, du jour au lendemain, bah, au début je l'ai fait pendant un an à travailler en gros dans mon atelier, chez moi dans mon studio, et à un moment j'ai dit bon, il faut vraiment se lancer, il faut y aller. Fin... J'ai eu la chance de travailler avec une sérigraphe à Paris qui s'appelle Séverine Basquaire, qui est une femme que j'admire énormément. Elle est toujours d'excellents conseils, notamment sur les associations de couleurs, parce que je peux venir avec mon idée, mais elle va me conseiller un bleu peut-être plus clair, parce qu'il contrastera légèrement moins avec mon vert, et du coup la composition sera beaucoup plus équilibrée. Et elle travaille, c'est toujours un plaisir de la voir faire, elle fait tout à la main, ce qui est aussi rare dans la sérigraphie aujourd'hui. On est souvent tenté un peu par la méthode mécanique.
Et voilà, et pour moi c'est vraiment une collaboration, j'en parle toujours d'elle parce que pour moi c'est pas juste l'illustrateur qui vend son affiche ou qui présente son affiche. Je trouve que le travail de l'imprimeur ou du sérigraphe, s'il est fait de manière qualitative, est tout aussi important que celui de l'illustrateur. C'était justement il y a 2 ans, quand je travaillais donc encore en agence, où j'ai fait 2 dessins que j'ai fait justement sérigraphier chez Séverine. Et je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance, je vais l'envoyer à donc, une galerie à Paris qui s'appelle la Slow Gallery. Et la propriétaire s'appelle Lamia. Et je lui ai envoyé 2 dessins en lui demandant son avis, savoir si ce genre d'illustration pouvait éventuellement lui plaire. Et elle m'a répondu dans la demi-heure en me disant, mais oui. Et depuis, du coup, grâce à elle, en fait, je peux vraiment vivre de ma passion. Ça m'a permis de sauter le pas, de me dire, ok, en illustration, n'hésite pas à te lancer. Ça fait peut-être un petit peu peur. Mais voilà, ça peut plaire. C'est pas facile tous les jours, c'est sûr. C'est un métier de passion, donc il y a des compromis à faire. Il y a parfois des petits moments de vide et des moments de doute. Mais grâce à Lamia, est vraiment une sorte un peu de marraine dans mon métier. C'est vraiment quelqu'un qui m'a donné confiance en moi, qui sait exactement où j'en suis dans ma création, si j'ai besoin de temps, si j'ai besoin d'aide. Elle a été de très très bons secours pendant la préparation de mon exposition, puisque c'est elle qui en était l'instigatrice. Donc voilà, okay. Un bel échange avec elle, une belle rencontre. Ouais, pour faire simple, en fait, on utilise les plumes des oiseaux qu'on mange. Pour faire simple. Parce que c'est très réglementé, en fait. Il y a des espèces protégées et tout est réglementé, en fait, par la Convention de Washington. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais au début, selon qu'on travaille des grosses plumes ou des petites plumes, on n'utilise pas les mêmes outils. Là, c'est quand même des plumes assez longues. Bah, du coup, j'utilise des grosses paires de ciseaux. La plume à cierre, elle fait pas que faire le projet final, en fait. Elle fait tout ce qu'il y a avant, donc tout le tri. On passe plus de temps à trier et à classer qu'à faire le produit final. Alors la plume, en fait, on peut la... Il y a 3 techniques de base pour la travailler. On la coud, on la colle, ou on fait ce qu'on appelle de la monture. Donc la monture, c'est vraiment... Voilà, c'est ces choses-là, c'est pour avoir du volume, pour avoir vraiment des gros volumes et avoir des plumes articulées, en fait. Donc ça, c'est de la monture. Pour le collage, c'est pour... souvent, on fait des toutes petites choses avec. On fait des choses qui ressemblent plus à de la plume, en fait. Qui vont ressembler à de la peinture, à de la broderie. Ben moi, ma rencontre, c'était... faux. Ben, c'était vraiment, en fait, la Maison Février, qui travaille pour le Moulin Rouge. En fait, je les ai rencontrés parce que dans ma formation de couture, il fallait que je fasse un projet de fin d'année. Il fallait présenter un costume de scène. Moi, je voulais vraiment présenter un costume avec des plumes. Donc, je suis allée les voir en leur demandant « Est-ce que vous pourriez pas m'aider à faire mon costume, tout ça ?» Et elles ont accepté de m'aider, alors que c'est une maison qui est très fermée. Vraiment, là, pour le coup, les secrets de fabrication et tout ça, enfin, c'est très très compliqué d'y entrer. Et elles ont accepté de m'aider. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est ce que je veux faire. C'est là que je veux bosser, quoi. Voilà. Plus de 3000 km parcourus et 1000 visages croisés sur notre route. Prendre le temps de se rencontrer, d'aller vers les autres, de poser un regard curieux et bienveillant sur leur travail. Autant de petites actions simples et indispensables qui nous ont guidés tout au long de ce voyage. En passant quelques heures avec chaque artisan, nous avons découvert des personnalités, créé des liens et partagé des moments précieux. Nous sommes repartis à chaque fois chargés d'énergie et avec la furieuse envie d'en découvrir plus.
prenant la route pour aller à la rencontre d'artisans et de créateurs français, nous voulions mettre en lumière leurs talents, éveiller les curiosités et donner envie d'en apprendre plus sur eux et sur l'artisanat en général. Nous voulions aussi montrer qu'en France, il existe des initiatives et des projets singuliers qui ont du sens. Ils sont portés par une génération dynamique qui a conscience des enjeux actuels et qui décide de faire sa part dans une économie à petite échelle, locale et durable. Et nous sommes convaincus que l'avenir doit s'écrire ainsi. À travers ce projet, nous voulions aussi et surtout parler de rencontres, de liens humains, de partage et de transmission. Et nous espérons avoir atteint cet objectif. De ce voyage, nous sommes rentrés avec plein de souvenirs. Nous gardons en mémoire les sourires, les odeurs, les bruits et les couleurs. Nous retenons les images de toutes ces mains qui savent faire, des corps qui s'activent, des cerveaux qui imaginent et de ces objets qui prennent vie. Nous sommes rentrés avec des dizaines d'heures de films et des centaines d'images. Impossible de tout compiler ici. Mais ces témoignages sont précieux. Alors sachez que l'histoire n'est pas encore terminée.